Il y a un parterre garni, hein. Il y a tout le monde, bien sûr, mais c'est un... Vous verrez, c'est la salle. Il va falloir laisser bien dégager le passage. Voilà. Donc nous sommes dans le centre de supervision urbain qui permet de gérer actuellement en direct 180 caméras. Dans les prévisions fin 2013, il en est prévu 349. Magnifique. C'est vraiment la joie que le ministre de l'Intérieur soit là, que Madame la ministre Marie-Alaine Carlotine soit aussi avec des parlementaires, avec le président de la communauté urbaine, avec tous nos invités qui sont des acteurs essentiels de cette ville très attachée à la sécurité. Nous sommes heureux, ensemble, l'État et nous, d'arriver à faire ça. Et votre présence nous fait plaisir. Alors, dans le centre de supervision urbain, on peut avoir 11 postes d'opérateurs, 7 postes au PC radio qui est derrière, on finira la visite par le PC radio, ce qui permet d'avoir, bien entendu, vous maîtrisez parfaitement le sujet, un lien direct entre le terrain via le PC radio ou via la vidéo dans les deux sens. Donc, une affaire qui se produit sur le terrain peut être signalée par la vidéo et on demande la réquisition de patrouille de police. Comme dans l'autre sens, une patrouille de police peut signaler quelque chose et la vidéo va se mettre à l'image pour vérifier. Donc ça, c'est la partie énorme, c'est la partie surveillance en direct. Il faut savoir que les images sont conservées pendant 10 jours en ce moment et que nous avons la possibilité aussi, et nous avons près de 1000 demandes d'extraction d'images par les services d'enquête et services judiciaires qui travaillent sur des faits qui ont été enregistrés, qui font des recherches et qui débouchent très souvent sur des mises en examen, des gardes à vue, parce qu'il y a toute une partie d'enquête secondaire qui peut se faire à travers les images enregistrées. Ce qu'on vous montre à travers ce mur d'images qui fait 14 mètres de long, c'est la possibilité d'avoir une dalle complète de visualisation, mais aussi des possibilités, comme vous le voyez, de démultiplier le nombre de visualisations pour les maintiens de l'ordre, les problèmes de circulation, et pour les grandes manifestations que Marseille va accueillir, anticiper, par le biais des services de police, tout ce qu'on prend, des éventuels troubleurs de fête, mais arriver à intervenir très rapidement sur eux et piloter les équipages de BAC sur le terrain, afin qu'ils ne mettent pas le désordre et la panique dans les grandes fêtes qui vont avoir lieu bientôt sur le Vieux-Port, dans toute la ville. Vous allez avoir la cartographie de la répartition des caméras à terme. Voilà l'ambition du plan vidéo protection pour Marseille. Voilà ce qui se passe au niveau du développement. Donc la particularité sur le PC radio, c'est que tous les équipements ne sont pas finalisés et que nous recevrons bientôt la cartographie. Tous les appareils de radio sont géolocalisables, les portatifs des agents, les véhicules, de façon à optimiser la sécurité. Nous allons recevoir le logiciel qui va nous permettre de localiser sur le mur d'image les véhicules, l'endroit où ils sont, s'ils sont occupés, s'ils sont libres. Bon, on n'a pas fait une sélection particulière. On va vous montrer un premier événement qui a été enregistré sur un accident de circulation un peu violent. Je vous rassure tout de suite, le gamin qui a été renversé est hors de sain et sauf. Donc, il faut savoir pourquoi on vous montre cette image. C'est qu'il y a eu cet accident. Tout le monde s'est affairé autour de ce gamin qui a été sérieusement blessé. Mais le pilote de la moto, ben, il est parti. Donc le service central accident est sur l'enquête. Voilà, dans le fond, vous le voyez, il s'en va. Vous voyez au fond et il s'en va. Là, c'est la pose d'un collier sur un distributeur de billets.
C'est pas une mise en scène, hein, parce que, oui, je précise bien, le préfet, M. Bontin, nous le dit, c'est tout de l'enregistrement des affaires. L'opérateur vidéo police municipale qui était ici a suivi cet événement tout le long, sans arrêt, les a pistés à travers toutes les caméras. Bon, je vous passe le délai, mais l'opérateur vidéo qui était ici a suivi cette affaire d'un bout à l'autre et a permis l'interpellation par la police nationale de ces trafiquants de cartes, de ces voleurs. Donc voilà les services de police en action, de la sécurité publique. Donc c'est la police nationale qui vient avec nous ici. On travaille conjointement, très étroitement avec eux, de façon à ce que sur les grandes opérations, ils puissent piloter eux, comme ils le font aujourd'hui à travers une visualisation d'un secteur sur une opération qui est montée. Ils sont sur une opération de vendeurs sauvettes actuellement. Et piloter leurs effectifs de police encore plus en direct que par notre intermédiaire. Attendez, voilà. Ça va, Donc ça, ce que tu vois, c'est celui qui était tout à droite. C'est le collègue barbu là, qui a interpellé, c'est à lui. Voilà, on est bon. Voilà, les autres. On est bon. Et le magasin, donc le magasin, c'est très bien. Bravo. Cornevin, vous avez loupé une vraie interpellation. Mais oui, comment vas-tu, ça va? Belle interpellation. Voilà, tu Romain. C'est Romain, madame Aurélie, au premier commerce. Vas-y, tu descends où tu es interpellé. Vas-y, je vais te guider directement. En direction de la rue des Récollets. Voilà, tu traverses. Où il y a le panneau. Il y a un chariot avec un truc vert. Voilà, c'est par là, regarde. Derrière, là, derrière le panneau. Derrière le panneau. Regarde, devant toi, tu as un panneau indicateur tout tagué. Ouais, derrière, regarde derrière, tu dois voir des choses encore. Allez, nickel chrome. Voilà. Les policiers qui vont les fumer. Hein. Vous voyez, c'est ça, c'est tout l'intérêt de la vidéo. Hein. Bon, là quand même, on a 4 cibles et pas mal de cigarettes. Hein. On est bien. Voilà. Voilà. Ça vous a plu? Ah, c'est un live, hein. Les policiers interpellateurs, ils étaient dans l'oreille, il y a des endroits un peu écartés, pas vu des mises en cause. Donc, la seule fois qu'ils les ont vus, c'est quand ils les ont serrés. Hein, c'est et quand bien même, c'est tout l'intérêt de la chose, justement. Quand on a pu le voir avec la moto, ils prendraient la fuite. On rattrape quelques rues plus loin. Hein. Ça se passe toujours en douceur, du coup. On va mettre un fusil dans la caméra, je passe, pour après tirer. Non ? C'est bon, c'est...